Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Rider, vous pouvez m'appeler Tribal, et bienvenue dans l'épisode 39 sur Assassin's Creed Odyssey. Oui, je dis Odyssey, parce que j'aime bien dire Odyssey. Alors, on va continuer la quête principale. Et pour ça, je dois aller sur l'île de Chaos, qui est juste ici. Vengeance du pirate. Donc on va aller... Vengeance du pirate. Et puis on va aller aussi aller chercher ça pendant qu'on y est, pourquoi pas. Level 18, on y pensera, mais surtout aller rencontrer Xenia et ne pas confondre avec Xana. Bon, c'est toutes les deux des guerrières, d'accord. Alors, What I am Browning. Tempête sur nous, capitaine. Tempête. Comment ça tempête? Est-ce que je dois aller par là? La réponse est non. Très bien, en tout droit. Poète, 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 poète. On peut aller par là. Qu'on n'irait pas là aussi. Level 19, ouais, peut-être pas, non. Venir ça à côté, ça va. Non mais oh. Ah non, le chat, tu commences pas. Normalement, c'est la bonne huile. Effectivement. Oh! Ah bon, on peut se arrêter à ce qui est là. Bah oui, voilà. Mais c'est stupide. Ah ok, j'ai rien dit. Non mais j'ai rien dit. Allez, salut. Ah mais il y en a plein en fait. Ah. Il est où, lui? 50 mètres. Pourquoi j'ai un aigle? Non. Ah, mais il est là. Ah, d'accord. Ah, il y en a un aussi. Exactement la même chose sur Valhalla en fait. La nana,
J'ai pris aussi un personnage féminin. Pareil, elle va pas lâcher directement en fait. Elle attend que qu'on lui dise ok, c'est bon, tu peux lâcher. Le lion allongé. Comment ça? Le lion allongé. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah non, mais non, foutez-moi la paix. Bah, c'est pas le lion allongé, c'est les lions allongés. Alors. Voilà. Pardon, pourquoi tu t'es cassé la gueule, Jiounette? Ah oui, c'est vrai qu'on a ça aussi, le scan. Ça, c'est la vie. Donc le lion pour lui. Ok. Et je vais me faire botter le cul par un sanglier. Voilà. Devenez anonyme pour continuer. Non mais... Fous-moi la paix. Oh. Ah oui, mais merci de compter. Mais il me le compte pas. Abrutix. Pff, là, je vais être fait avec les fesses. Ah ouais. Elle est là-dedans ou elle est à l'intérieur? Elle est à l'intérieur. C'est quoi, c'est une grotte? Qu'est-ce que c'est? Il bug un peu, on dirait, hein, mais il... ça tremble, hein. 17, 18, là, bon, à mon avis, je pense qu'ils doivent être deux, mais... Ah, et l'entrée, elle est là, du coup, c'est ça? Sinon, pourquoi ils auraient mis des torches? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Hmm. Je l'arrache, oui, quelque... Hein? Ok. Ils ont l'air si petits. Salut. Hop. 3 balles. Ils vont se montrer très vigilants. Oui, mais on avait dit que c'était un peu plus par là, non? Ah, salut. Non. Non mais Simba... La grotte d'Arès. Ah, je sais pas si j'ai envie d'y aller. Ah, forcément, dès que j'arrive, c'est plus... Comment vous l'avez-vous repéré? Il cassait les cailloux. Très bien.
Mais non, mais vous êtes pas sérieux. Mais vous êtes pas sérieux. Mais vous êtes pas sérieux. Oh là là, en plus. Je lui fais zéro de dégâts, au secours. Oh, mais au secours. Très joli. J'aime bien la caméra aussi. Ah bah heureusement que j'ai appuyé sur la touche, hein, je m'en serais voulu. Hein. J'aime bien ce jeu. Je vous l'ai dit que j'aimais bien ce jeu. Il met un coup, il m'enlève une petite barre. Donc en gros, le mec il me catch shot. Mais c'est super. Mais c'est super. Ah d'accord. Ah c'est moi qui me suis trompé en fait. J'ai voulu j'ai 64 de dégâts. Ah bah c'est cool, au moins quand t'esquives une fois, c'est cool. Heureusement que j'ai appuyé sur la touche, hein, je m'en serais voulu. MDR. Fucking MDR. Des fois tu le frappes, il s'en bat les couilles. Il est là, non mais il le vit bien. Très joli. Moi aussi je sais le faire, t'as vu? Ouais. Bien sûr, bien sûr. Il s'en bat tellement les couilles, j'adore. Ah, c'est moi qui fais les conneries. En fait, je relâche la touche direct, et il faut pas. Enfin, je relâche la touche et j'appuie direct, hein. En fin de compte, faut attendre. 2000 years later. Wow, putain, c'est des skis de ouf. Ah merde, encore une fois. Encore une fois. Shit. 18 minutes pour le buter? Non, je plaisante. 1h15. Voilà pourquoi. Ah. Ouais, tourne la tête, t'as raison. À cette sombre époque, nul n'était hors de l'atteinte de Cosmos. Pas même les autres cultes. Les disciples d'Arès succombèrent aux élans des prêches d'Arpalos. Il leur promit du sang et de la chair à dévorer. En retour, ils devinrent par lui une armée de monstres. Très très bien.
J'ai buté qui? Somebody. Ah, j'ai lui buté lui du coup. On sait même pas qui est-ce, mais... Ok. Bon. C'est pas parce qu'il s'est retourné pile poil. Pililu. On va passer par là, je suis même pas passé par là. Non. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais Jacqueline, arrête! Ok, bon. Ça fait déjà un mec en moins. Corecia, du coup, épave de Marinos. Ah, les marines, en grec c'est Marinos. Bah, ils sont pas fait yesh. Non, je fais ça. Mais quelqu'un. Non, mais vous inquiétez pas, hein. Je resterai pas. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est une propriété privée. Je voulais juste monter au Duma. Poète. Très bien. On va aller du coup découvrir celui-là parce que c'est bel et bien là hein, qu'on a la quête. Hein. J'ai cru qu'elle allait se taper la tête la première contre. Contre le... Ah, l'épave, décidément. Oh, boss, en route. On y va. Hey. Ah non. On n'est pas les bienvenus en vrai. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce qu'en général les villes c'est pas comme ça. Je ne vois pas de soldats ici. Uniquement des pirates. Ils doivent tenir toute l'île. Ah donc du coup c'est les pirates qui vont vouloir me faire faire la peau. Ah oui, effectivement. Mais vu qu'on va parler à Xenia, elle va leur dire doucement Kaira, non? Ah j'y vais tellement à l'arrache. Déjà, on va synchroniser ça.
Ayez pitié! À qui demandes-tu pitié? Tous ceux qui font le commerce d'esclaves sur mon île seront eux-mêmes marqués comme esclaves avant d'être envoyés en Attique pour nourrir l'institution dont ils voulaient profiter. Emmenez cette vermine loin d'ici. Bonjour, c'est pour un renseignement. Je croyais que tous les pirates vendaient des esclaves. Et tu es ? Je m'appelle Cassandra. On dit aussi que tous les pirates sont des meurtriers, Cassandra. Alors, donne-moi une bonne raison de ne pas te tuer. On m'a dit que tu vendais des informations. Entre autres choses, oui. Je cherche quelqu'un. Tu espérais me faire bonne impression en pénétrant sur mon île comme une voleuse? Il fallait que je te parle en personne. Je ne m'attendais pas à ce que tes pirates me donnent la permission. Vas-y, parle. Je suis à la recherche d'une femme. Elle a quitté Sparte quand j'étais enfant. Essaie d'être plus précise, Cassandra. Elle a sur le bras des taches de naissance qui ressemblent à la constellation de l'Aigle. Voilà qui est déjà plus utile. Et qui est cette femme, au juste? C'est ma mère. Je ne l'ai pas revue depuis mon enfance. Si je comprends bien, tu cherches à retrouver ta famille. Oh, quelque chose comme ça. Tu as choisi un chemin difficile. Perso, moi j'aurais jamais dit ça, mais bon. Je me suis dit pourquoi pas. C'est Aspasia qui m'a envoyée vers toi. Aspasia? Pourquoi aurait-elle fait ça? Elle a dit que tu pourrais avoir des informations qui m'aideraient dans mes recherches. Tout est envisageable, si tu as les moyens. Et quel serait ton prix? Rien d'inabordable pour toi. Pardon? Pourquoi as-tu besoin d'une somme pareille? J'ai une ville à défendre, des gens à protéger. Je n'ai aucune envie de partir en guerre. Je veux seulement que la guerre ne vienne pas jusqu'ici. Je ne suis pas du genre à avoir autant d'argent. Je trouve ça étonnant. Tu es Mystios, après tout. Et qu'est-ce qui me prouve que tu pourras la trouver? Je sais déjà qui est Myrin. Comment connais-tu son nom? Je sais beaucoup de choses. J'aurais du mal à trouver autant d'argent. Tu as un navire et un équipage? Ça suffit pour trouver du travail ici, à Corésia. Et il y a une montagne de drachmes dans le fort, de l'autre côté de l'île. Tu veux que je devienne voleuse sur l'île où tu vis? Les autres habitants ne nous aiment pas, nous les pirates. Leur chef a amassé une vraie fortune. Sans argent, il sera moins tenté de faire des bêtises. Ne t'en fais pas. Tant que tu travailleras pour moi, tu seras l'une d'entre nous. Ça ressemble bien aux pirates de demander une montagne de drachmes. Tu si je veux la payer, je vais devoir trouver du travail sur cette île. Quinze mille. Il devrait être plus facile de parcourir l'île, maintenant que tout le monde ne cherche plus à me tuer. Ouais. J'espère. Faites place à la princesse Cassandra. J'ai eu des nouvelles pompes. Oh yeah! Elles sont sympas. Mais je n'ai pas le level. Et 19 quoi. Non mais. Au secours. Au secours, au secours. Pourquoi t'as sorti ton arc? Ah, c'est toujours cette maudite manette et ce maudit câble qui marche point. Super, maintenant j'ai... Oh, c'était raté. J'ai la musique d'Aladin dans la tête.
Je me suis dit, je tente ou pas? J'ai tenté. Bon, déjà... Ah, il y a un truc là. Et ben voilà, c'est nickel. Armure de roi antique. Grotte d'Arès encore. Wow. Faudrait que je récupère vraiment une meilleure arme parce que là, ça craint du boudin avec cette arme qui est trop faible. Level 12, alors que je suis bientôt level 18, c'est vrai que ça... Mais, le secours! Ça, ça me fait la même chose que sur Immortal Phoenix Rising. Ils me sortent l'arc. Alors... C'était joli, ça. Des petites fleurs, là. Ah ouais! Ah ouais! Putain, je vais devoir faire des quêtes secondaires, je pense. Aïe aïe aïe. Et du coup, je rentrerai par où? Par là? Donc je longerai tout ça pour... Oh, en vrai, ça va, hein. Je peux passer par là. Ou par là. Du coup, elle est là. Et piquer le coffre. Ouais. Quoi? Encore un cochon? Oh la vache! Ah non, mais... Je peux monter à l'arbre? Merci. Non. Ah, le jeu, il m'a même pas respecté. Il m'a dit non, vous ne pouvez. Olé. Je me fais bolosser par un cochon. Foutez-moi la paix, quoi. Non, mais... Ça va, j'ai compris. Ok. Bon bah écoutez, je pense qu'on va faire ça la prochaine fois. On va serrer bien les fesses la prochaine fois pour aller là-bas. Et anyway, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter celui-ci, comme d'habitude. Toujours pour savoir votre ressenti, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne louper de nos aventures. En attendant, je fais des petits bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.